bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo assez spéciale comme vous avez vu au titre. Aujourd'hui on parle de Minecraft. Alors pourquoi on parle de Minecraft? Eh ben écoutez, on est en quarantaine ou en confinement, je sais plus. Bref, allez, on continue. Et j'ai rejoué un petit peu, même si avant j'ai rejoué encore un petit peu en live. Mais attention, pas à tous les modes de jeu, ça a vraiment beaucoup changé. Je vais tout vous expliquer les gars, vous inquiétez pas. Alors, cette vidéo va servir à quoi? Cette vidéo va servir à vous expliquer pourquoi je joue encore à Minecraft, mais pas trop sur ma chaîne dans mes vidéos. On va revoir un petit peu ce que c'était Minecraft sur ma chaîne avant et si je compte revenir ou pas sur Minecraft sur YouTube. Alors d'abord, je pense que vous êtes nombreux à m'avoir connu sur Minecraft. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous avouerai que le jeu il commence à me replaire un petit peu. Mais avant de jouer sur Minecraft sur ma chaîne YouTube, j'aimerais voir un petit peu qu'on se remémore ce que c'était Minecraft sur ma chaîne. Donc écoutez, pour mieux illustrer ça, on va regarder mes anciennes vidéos les gars. Donc c'est parti, on se trouve sur mon bureau. Ok, j'ai mis le casque et on se retrouve sur mon bureau exactement comme je vous l'ai dit. Alors pour vous situer un petit peu, d'après moi les meilleures vidéos MC se trouvent un petit peu à peu près par ici, voilà. Par là je pense que c'est la zone où est-ce que j'ai fait les meilleures vidéos, les plus drôles et celles qui ont marqué le plus d'entre vous. Donc on va regarder déjà les plus pertinentes selon moi. On commence avec la première vidéo. Oh les gars, je vous jure j'avais abusé sur cette miniature par contre, c'est chaud. Ok, on regarde une courte vidéo de 4 minutes donc c'est parti. Oula, oula, oula. Un jeune enfant m'accuse, plus une mère qui insulte. Ok. Donc là, ça annonce vraiment la couleur. Donc c'est parti, les gars. Flame, c'est Jix. Donc j'espère que vous allez très très mal. En tout cas, bah moi, ça va, mais. Je faisais déjà de l'humour à l'époque. Ok, donc en fait ce qui s'est passé là, je me rappelle, il n'y avait pas le son, mais j'étais en appel. Et en fait, ils attendaient cette map là pour faire un truc dans l'igloo, je sais plus quoi. Et moi, j'ai fait tomber les gens. Mes potes, je les ai fait tomber. Ça m'a affecté beaucoup quand même de me faire tuer sur Minecraft à l'époque. Vas-y. Les gars, écoutez. Le mec, ça date. Alors là, Doz, il nous montrait un rec d'un de ses potes qui se faisait engueuler par sa dame. Et après, on arrêtait pas de se foutre de sa gueule, à dire ta gueule et tout. On va regarder un petit peu les commentaires. T'es pas une fille? Non. Sexiste et mal. Je ne suis pas. Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Voilà. Écoutez, à 3 minutes, on dirait qu'ils font l'amour. Quel moment? Quoi? Mais gros. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il baisse, mais bien sûr, gros. Mais bien sûr. Bon, allez, on passe à la prochaine vidéo parce que là, j'en découvre vraiment tous les jours. Moi, ils m'ont pas vu. T'es sérieux? Toujours le pauvre Inuidius. Non mais à chaque fois. Merde. Il a une petite voix hein. Avant les gars il avait une petite voix hein. Là ça a changé. Oh les, les cris. Aidez-moi madame. Et les cris aigus les gars ça me gêne. Non mais n'importe quoi les gars. Je suis dans le coffre. Bon écoutez, on passe à la deuxième vidéo les gars. Non, à la troisième. À la troisième. Alors là, je me rappelle, on avait fait un Damien Rush. Alors, c'est des vidéos qui plaisaient énormément, ça. Petit montage, super sympa. Je faisais souvent ça au début. Et yo, MT Slime, c'est GX. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit défi. Là, les gars, je ne dis plus et yo, MT Slime, c'est GX. Hein. Vraiment, c'est fini, ça. Mais voilà, c'était ma petite phrase d'accroche. Ok, donc là, on s'était bien emmerdé à tout faire. Et à la fin, c'était n'importe quoi. Mais c'est pour vous que je fais ça les gars. Mais écoutez mes cris. Il est trop chaud. Et aussi Damien aussi, il est sympa, j'aime bien. Il est pas drôle en plus, il tombe dans le trou. Ah là là. Bon les gars, je pense que... Cheater. Bon les cris là, ça suffit là, franchement. Oh y'a les bordures. Non. Les gars, je criais tout le temps, c'est hallucinant. J'avais win. J'avais win. Voilà, toujours, toujours je winais. Tout le monde parle de moi. J'ai percé les meufs les meufs majeures m'envoient des nudes. Donc les gars, quatrième vidéo, Minecraft évidemment. Ok, donc là on va regarder un petit peu cette vidéo. C'était des vérifs et on s'amusait à faire les cons. On était modo et on s'amusait réellement à faire les cons. Donc là on regardait les logs dans le chat pour voir s'il y en a qui cheataient ou qu'ils étaient suspectés de cheater. Et on allait les vérifs et on faisait des conneries de malade. On a un vérif et on peut toucher, enfin en mode contrôler les PC du mec à distance. C'est possible de l'ajouter à votre leader. Wesh, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais là? Java. Attendez, mais c'était n'importe quoi là. Ah
On mettait 8 ans pour éteindre putain de PC. Logique qu'on n'y arrive pas. En plus, il a une mise à jour Windows. 13, le regedit. Mec, il n'y avait aucun sens à ce que je disais. On veut juste les couiller. C'est bon. C'est bon. Non. Attends. T'as les gros chats de la casse. Les gars, c'était ça les modos qui avaient sur le serveur. Putain. Désolé, t'as pas le droit de voir ça. Ah. Ok, regardez bien les gars. Là, on était en train de vérif. Et là, on faisait genre les mecs, ouais, faut que tu marches. C'est à quel client. Alors. Il disait client, genre il écrit, et en fait il écrit totalement autre chose. Il a câblé. Bref, c'était bien drôle. On passe à la cinquième vidéo déjà. Ok, alors là les gars, on avait fait un petit défi avec Doze à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos avec lui. Et en fait, le défi c'était si tu perds, tu passes ton compte Skype. Et du coup on l'a fait, et du coup, voilà, j'avais gagné. Les gars, c'était sûr, en fait genre je jouais pour gagner. Et là, genre c'était sûr de gagner, sinon la vidéo allait pas être drôle. Du coup j'avais son Skype. Les gars, attendez, regardez juste mes images que j'avais, c'est n'importe quoi. Oh, non, je ne peux pas, ce dossier les gars, je ne veux pas l'ouvrir. Je refuse. Ah, regardez, alors là, attendez, je regardais dans ses contacts, il avait chaud parce que lui c'était son frère. Et là du coup... Non, c'est mon frère. On passe du coup à la prochaine vidéo, donc c'est parti. Regardez notre petite vidéo, toujours de 4 minutes, assez courte. Je te vois pas, putain. Yo les gars. Attendez, juste l'intro. Je te vois pas, putain. Yo les gars, c'est... Je me rappelle plus, c'est qui. Mais je te jure qu'elle disparaît. Ah si. Du coup, le mec qui parlait derrière, il était complice avec moi parce qu'il lui enlevait son épée. Mais gros, mais je te rec, mais sur ma vie. Et du coup, ça lui faisait péter un cas parce qu'il perdait. Je te jure, mais sur ma vie. Seul menteur. T'es le plus gros menteur que je connais. Oh, l'accusé de menteur. Oh, le kilo. Oh là là. Oh, le seul menteur. Oh, les commandes. Infernal. Mais je te rage pas, je fais le montage. Je te vois pas. Ah non, mais t'es vraiment des sales gosses. Là c'était l'écran de mon pote en fait. Donc là on pouvait voir qu'il enlevait l'épée pendant que je le combo. Il est putain. On faisait câbler tout le monde les gars. Bon, on passe à la prochaine vidéo les gars. Bon, écoutez, je pense que ce sera la dernière. Et pour la dernière, je voudrais prendre un truc un petit peu qui sort du lot. Alors, je vais vous montrer celle-là. C'est une vidéo qui a pas fait beaucoup de vues sur ma chaîne, mais que je pense c'est une des meilleures. C'était un best of live, les gars. Et c'est passé des centaines de trucs. Vraiment, c'était insane. C'était avec Aropi. Il mettait un masque. C'était à l'époque. Donc, regardez bien juste l'intro, les gars. Juste l'intro, c'est une dinguerie. Oh la gueule! En fait, il habitait dans une péniche. Et ça, c'est sa péniche. Donc, il claquait des œufs contre sa maison, en gros. Donc, voilà. C'est pas n'importe quoi. Non, arrête. Je vais me faire. Attends, 100 balles. Il y a pas 11 balles. Les gars, je vous jure, ce moment là il montait sur sa chaise comme un con pour faire le con. Déjà il avait le t-shirt au dessus du pull, comme les gens qui font la grève, les gens de la CGT. Il était debout sur son siège et il faisait le con. Et là, écoutez bien, la boîte crânienne tapait le sol, écoutez bien. Et je vous jure, il a pas fait exprès ou quoi, il s'est vraiment cassé la gueule. Il est tombé la tête la première, les gars. Après, je me demande pourquoi il est gogol, mais gros. Je m'étais tué pour le montage, hein, vraiment. Si. Écoutez ce gratteur, il commençait à dire, et s'il me fait 10 euros de dons sur PayPal. Bon, les gars, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Alors voilà, petite conclusion. Est-ce que je reprends Minecraft sur ma chaîne YouTube? Sans doute, mais toujours avec du matériel gaming, comme par exemple des claviers ou des souris. Et pourquoi pas faire des défis, par exemple gagner un UHC avec un clavier qui manque des touches. Mais sinon, mis à part ça, les gars, en ce moment, je joue beaucoup à Epicube, pas du tout à Funcraft, parce que je trouve ça répétitif. C'est tout le temps la même chose. Alors que par exemple, sur Epicube, on peut faire des Fallen Kingdom. C'est un truc que je kiffe bien en ce moment. Et après, il y a des UHC run.
Dungeon et le PvP pot, enfin beaucoup d'autres choses les gars. Bref, si vous êtes chaud pour que je reprenne Minecraft, dites le moi en commentaire et likez la vidéo. En tout cas, nous on se laisse, voilà. J'espère vous avoir diverti et vous avoir fait plaisir. En ce moment on reste un peu chez nous, c'est un peu le bordel. J'en profite pour vous faire des vidéos. Mais voilà, ceux qui sont abonnés pour du Minecraft et qui me connaissent sur Minecraft et qui sont tristes à l'idée que je fasse plus de Minecraft, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.